il y a longtemps, des centaines de fidèles guerriers partirent investis d'une mission sacrée dans les marais de l'Est, où ils semblent avoir disparu sans laisser aucune trace. C'était des croisés, un ordre composé d'hommes et de femmes voués corps et âme à sauver la foi du Zakharoum de la corruption de Méphisto, le seigneur de la haine. Les croisés firent le serment solennel d'arpenter le monde à la recherche de la clé qui sauverait le Zakharoum et de rester fidèles à leur engagement jusqu'à la mort. Chacun d'eux prit un apprenti sous son aile afin d'en faire un instrument de lumière. À la mort de son maître, l'apprenti faisait sien son nom, son bouclier, son arme et sa cause. Aujourd'hui, un croisé sans apprenti marche seul vers l'ouest, attiré par la vue d'une étoile tombée sur la nouvelle Tristram. C'est un détour sur son chemin, mais sa noble quête et sa foi indéfectible restent inchangées. Le croisé affronte le mal en face, annihilant ses ennemis avec toute la puissance de la lumière. Équipé d'armes sanctifiées et de boucliers impénétrables, il peut neutraliser une cible isolée aussi aisément qu'il peut porter de larges coups contre des groupes d'ennemis. Balayé comme un fétu de paille. Chacun de ses coups est nourri par la colère, une ferveur qui croît continuellement et qui explose littéralement quand le croisé châtie les forces des ténèbres, lui permettant de déchaîner ses compétences les plus dévastatrices. Que la lumière vous condamne! Il peut frapper ses adversaires de toute la fureur des cieux, ou les projeter à terre d'un brutal coup de bouclier. Ce guerrier divin est un puissant allié pour tout autre héros. Quand il se jette dans la mêlée, il peut provoquer les légions du mal et les forcer à l'attaquer lui, ou leur imposer son jugement pour les figer sur place. Ma foi a fini par payer. Il peut aussi renforcer ses alliés et leur accorder des avantages martiaux supplémentaires en récitant les lois sacrées du Zakharoum. Bardé de sa foi et de son armure d'acier, le croisé est capable d'affronter pied à pied n'importe quelle abomination éructée par les enfers. Son but est rien moins que l'éradication de tous les démons, et il aura recours à tous les moyens nécessaires pour s'assurer qu'ils ne reviennent jamais. Fais tes prières tant que tu peux. La vie d'un croisé est jonchée de périls. Tous n'ont pas l'étoffe requise pour suivre sa voie. Mais si vous possédez le courage de regarder les abysses sans ciller, votre croisade vous mènera peut-être des plus noirs recoins des enfers aux cimes resplendissantes des cieux. Et vous pourriez bien trouver l'objet de votre croisade en chemin. Rien n'arrête la croisade !